Les gens qui vous touchent et qui sont touchés par ce problème, ils ne supportent pas. Enfin, ça a été mon expérience à moi. Et les autres, peut-être sont-ils indifférents, ceux qui peuvent entendre, ou moins concernés, ou peut-être tout simplement ça les ennuie, parce que ce n'est pas des histoires. Des histoires gaies. Alors, donc, quand je témoigne, je me rends compte que finalement je trie et que je raconte que des choses qui peuvent être intéressantes, excitantes. Par exemple, j'ai toujours commencé par écrire mon évasion, parce que c'est de l'action, parce que c'est du roman, parce que c'est un film d'aventure, c'est une histoire d'aventure et tout ça, héroïque. Et, bon, mais raconter la misère, raconter le martyr, on ne peut vraiment le raconter qu'aux gens qui sont concernés et qui ont souffert dans leur chair ou dans leur famille, et cela... ils ont du mal à vous entendre. Et quand je vous regarde, Claudine, je sens des fois que vous souffrez et je vois votre visage, votre tête altérée. Donc, quelque part, je sais que ce que je dis, c'est vrai.